Et la même chose avec un boulanger. Mais le même et deux fois. Et deux fois même, j'arrive. Bonsoir. C'est un peu notre petite cuisine. En fait, nous vivons dans une ambiance qui n'engendre pas la mélancolie. Alors, ce sont des fous, des cinglés, vraiment, c'est des jetés. On va parler protection des chaussures, mais ça, c'est notre cuisine interne. On a arrêté, on n'a pas arrivé. On va surtout ici parler de l'émission de Michel Piccoli, qui est très populaire au centre de visionnage. Et il y a eu des textes, des choses qui ont été préparées avec la petite sympathique équipe. Habituel, arrête de déconner, et des commentaires à chaud. Non, mais je sais que vous êtes déjà gentil d'être là. Sur Michel Piccoli. Non, ça c'est pathétique, ça. Enlevez le... C'est pas très drôle. Ah non, si, j'y tiens. Non, si, je justifie complètement le casque à cornes. Je justifie à deux niveaux. Un premier niveau professionnel, strictement professionnel, et un deuxième niveau à titre purement privé, si vous voulez. Professionnellement, le gag visuel, et ça vous le verrez dans tous les manuels d'art dramatique, a son importance, et surtout dans ce type d'émission, qui doit être percutant. Alors, je vais vous dire juste une chose, je vais vous dire une chose qui est très aimable. C'est un rire que je ne veux pas ici. Non. C'est un rire qui est facile, qui est vulgaire. Je ne souhaite pas, c'est un rire que les gens regretteront après. Je vais vous demander de le retirer en courtoisie. Mais en courtoisie. Je rends hommage au peuple viking, peuple voyageur. Je ne trouve pas ça drôle. Je vous dis, je trouve que c'est un rire qu'on ne souhaite pas dans cette cabine où il y a un hommage à Michel Piccoli. Étonnant Michel Piccoli, vous me disiez. Étonnant Michel Piccoli et le texte suit. Étonnant. Étonnant Michel Piccoli. Étonnant. Michel Piccoli. Étonnant. Sitôt bonhomme. Que je suis au lit, je mets une cassette et bien souvent, c'est César et Rosalie. Étonnant. Bon, César étonnant et Rosalie, bonhomme. Ce n'est pas de Piccoli, alors ça c'est minable. Ah, excusez-moi, je me étonnant. Suis mépris, le mépris avec Piccoli. Étonnant bonhomme. Oui, bonjour, centre d'audition du centre de visionnage. Quels sont les échos ce soir? À ce point-là, oui. Non, c'est que oui, pathétique, oui. Bougez pas une seconde. Sinon, t'as des plans boulot, toi, en ce moment? Non, pas